le monde. Je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort. Na peliwa na ye Kazimoni Elenge mobali maboko mila
ngai alingi kotika te aketi koyiba na posha nganga babwakele maladi ya mbasue ntango ngaliwa na koya mosalama na ye wapi mabe na ngai yo wapi mabe na ngai ye rema wapi mabe na ngai yo nga naza na nga kaka etinda ya Sa satana e Kono dinga liwa na zama beo Asina kopesa bino lisese moko Kokopesa na liwa na zana rezon Eza lakine lenge mwabali moko na mokili Babote na baleke bele na sma Baboti batangisye na pasyo Asilisi bakelasi na pasyo Ako makili konzi ya famye Kusunga libota ne mokima Naliwa na zoka porta kokota te Na bomo elenge mobalo yoye Aye bakanda kwa mandate Azoka mwasa moto te na mokiliye Atambola ki malamu na mokiliye Maluka ki nantela ya moto kiye Sima mikolo bandinga mosala Bapese joli bakota na ndako ya ngangae Maluka promoso na mosala Naliwa na zipe porte ya kokota e Sima mikola bebi sibi te kwa Nous sommes rassemblés ce matin autour de Castro, qui vient de nous quitter. C'est un moment de peine, un moment de souffrance. C'est aussi un moment où, dans la foi, nous venons revivre notre espérance en Jésus ressuscité et qui nous appelle à partager la victoire de sa résurrection au-delà de notre mort humaine. Une célébration en liturgie, c'est d'abord fait pour se mettre en présence de Dieu, pour louer, pour prier Dieu. Mais nous allons commencer par prendre le temps de parler de Castro, de sa vie, tout simplement parce que nous croyons que c'est à travers notre vie humaine que Dieu est aussi présent et que c'est dans notre vie humaine à prendre au sérieux que l'amour de Dieu trouve son compte.
Bonjour. Il est difficile de parler avec quelqu'un avec qui on était très attaché. Et quand on le voit ici, à côté, il manque, on ne s'attendait pas. C'est très douloureux, mais j'espère que je vais avoir le courage de parler de Castro devant vous. J'ai connu Castro il n'y a pas très longtemps, il y a des gens qui l'ont connu avant moi, il y a beaucoup d'années, mais les années que j'ai fait avec Castro me permettent de dire beaucoup de choses parce que nous étions très très attachés. Et vous comprenez que c'est difficile de le résumer en quelques mots. C'est quelqu'un qui aimait l'action. Il faut faire quelque chose. C'est quelqu'un qui aimait servir, être au service des autres. Et Castro, je ne serai pas long parce que je connais beaucoup de choses et c'est difficile de tout résumer parce que même en dernière minute, nous nous parlions avec Castro. Je l'ai encouragé. Quand il était à l'hôpital, même vers 23 heures, des fois il m'appelait parce qu'il savait que je l'encourageais et qu'il avait toujours ce courage et nous espérions que le Seigneur aidant, il allait traverser cette étape. Parce qu'on m'appelait même vers 23 heures. D'abord, un jeune frère qui était décédé ici à Saint-Étienne, que beaucoup parmi vous doivent connaître, c'était une situation difficile, un jeune homme. On n'a pas retrouvé chez lui à la maison pendant plus d'une dizaine de jours. Nous les cherchions partout. On ne l'a pas trouvé. Mais quelques jours après, on nous raconte qu'il est décédé. Entre-temps, la police n'a pas prévenu. Il fallait interpeller la police. Il fallait des gens courageux. C'est avec Castro que nous allons nous présenter au commissariat de police. Il nous demande de décliner nos identités, nous l'avons fait. Il nous demande qu'est-ce que vous allez faire. Nous voulons savoir pourquoi vous n'avez pas informé la famille du moment que ce garçon avait ses identités. Son identité. Effectivement, la police a pris la chose au sérieux parce que pour la police, si ça ne dérange pas, je peux dire que c'était notre jeune frère Ali Sako. C'est quelqu'un qui était ramassé, tombé sur la voie publique, considéré comme un indigent, devait être mis dans une fosse septique, être incinéré. Nous étions au commissariat à deux. Nous avons posé des questions. Et les policiers étaient, cette fois-là, de bonne foi, pour nous expliquer ce qui était arrivé à Sako. Ils étaient obligés de nous montrer des clichés, des photos qui étaient prises à Sako. Du moment que le jeune, ses amis disaient qu'il fallait les laisser entre les mains de l'État, nous avons dit non avec Castro, qui aimait beaucoup ce jeune homme. Nous allons cotiser, nous allons enterrer dignement ces jeunes hommes. Ça, c'est le courage de Castro. Ensemble, avec moi, nous avons fait un duo compliqué parce que Castro était un homme pas trop réservé, moi un peu un homme réservé, mais ça marchait pendant beaucoup d'années.
Ça, c'est un cas de courage que nous avons eu et finalement nous avons réussi à enterrer les Sakho dignement ici. Mais une année après, un autre problème, plus grand encore, s'est posé à Saint-Étienne. La communauté africaine devrait être divisée. Les Arabes d'un côté, les Noirs de l'autre, parce que nous venions d'apprendre qu'une jeune fille de 20 ans était poignardée par un jeune Africain. C'est une situation qui devait mettre la communauté, les deux communautés, sérieusement en conflit. Il y avait une tension dans la ville. Castro était là pour dire « Nous allons désamorcer la crise ». Mais comment nous devons désamorcer la crise? Aller dans une famille éprouvée. Nous l'avons fait. Castro a cherché, il a trouvé, il y a un frère qui n'est pas là, musulman, Omar, qui est imam. Nous nous sommes approchés de lui. Nous voulons aller consoler cette famille éprouvée. Mais ce n'est pas facile. Parce que, ils vont dire, mais ils ne pouvaient toujours pas partir. Il fallait trouver une solution. Et c'est avec Castro. Nous nous sommes désolés. Nous avons informé parce que ce n'est pas facile. La famille est en train de pleurer. Sa fille et nous, nous avons tout planté là-bas. Nous avons informé la police. Nous sommes partis avec Castro. Le commissariat de police, ce n'était pas facile. Nous avons pris une heure. Ils devaient se renseigner auprès des autorités. Au bout d'une heure, ils vont nous autoriser. Nous dit voilà, vous allez respecter les heures que nous avons données. Ce n'est pas facile. Vous ne partez pas aujourd'hui, vous partez demain et nous voulons que vous partiez à 15 heures. Mais vous respectez les heures, ne faites pas comme les Africains. Parce qu'en ce moment-là, nous serons déjà là, en tribu civile, pour vous sécuriser. Et pour voir ce qui va se passer. Voilà comment nous avons réussi, avec Castro, Omar et d'autres amis, à désamorcer la crise, la tension à Saint-Étienne. Il était toujours devant. Castro aimait qu'on l'appelle un prévôté militaire, le langage des Guinois, on dit PEM, vieux PEM. Par son courage, c'était sans épreuve.
son parti, s'est inscrit et il a fait son cycle technique à l'université. Il a fini ses études, moi aussi j'ai fini ses études, je suis revenu à Kinshasa. Nous étions des jeunes, on a fait des aventures, nous avons vécu comme tout jeune, toute jeunesse. Moi je me suis marié, lui aussi s'est marié. J'ai commencé à travailler, lui aussi a commencé à travailler. Et le voyant. Et quand je suis arrivé, lui il était là, il m'a. Et après, j'ai terminé ma femme, lui aussi dit, bon, moi aussi, j'ai terminé ma femme. Donc, je vous demande preuve. Si j'ai gardé les émotions, je n'ai même pas le courage de parler. Mais je suis fort. Comme Castro. C'est un garçon qui est serviable. Soirée qu'on organise avec les pailles, c'est à Saint-Étienne, où on danse et là on se retrouve énormément, mais pour une autre circonstance. Alors, comment on a préparé? Aujourd'hui, nous sommes tous réunis avec ceux que tu as aimés, papa, que tu as chéris et protégés. Sur nos visages, on aperçoit des larmes de tristesse. Mais te connaissant, par ta joie de vivre, tu n'aurais pas aimé qu'on soit triste. Alors Julia, raconte-tu. Nous t'accompagnons aujourd'hui pour ton grand voyage. Surveille-nous, papa. Accorde-nous la chaleur éternelle. On t'aimera toujours, car tu resteras gravé dans nos cœurs. Repose en paix, papa. Tu restes toujours notre Robin des Bois. Je parle pour tous ces petits enfants.
à prendre sur l'autel une petite lumière et à la porter sur le cercueil de Castro. Nous avons partagé avant-hier un moment avec les enfants, avec la famille. Il y en a un qui a beaucoup insisté sur Robin des Bois, disant papa, il était toujours disponible pour rendre service, mais il y a des moments à la maison on ne voyait pas trop. Et nous les garçons, on a manqué de câlins. Moi, je trouve que ça soit exprimé, c'est très fort. Et ils ont demandé qu'on commence notre célébration en partageant les uns avec les autres un câlin, un geste d'amitié, un geste d'amour. Alors, je vous invite à vous lever et nous allons bien simplement, autour de nous, partager. Seigneur, voici rassemblés ce matin
la famille et les amis de Castro qui vient de nous quitter. En cette heure de paix, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Nous te le demandons à toi qui es le Dieu vivant, dans la force de l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Aleluia.
Le Seigneur soit avec nous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu. Et nous t'avons accueilli, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Je vous montre des choses qui sont des choses d'hier, mais qui restent dans la vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de chose qu'on ait vécue qui ne nous marque pas. Et si je me souviens bien, je crois avoir baptisé certains d'entre vous, les enfants. C'est dans cette foi partagée, dans cette confiance en Dieu qui est difficile aujourd'hui, au moment de l'épreuve, au moment de la difficulté. C'est dans cette confiance que nous sommes rassemblés. Et la confiance, elle est importante maintenant, parce que faire confiance quand tout va bien, bon, à la limite, c'est dans l'ordre des choses, tout va bien, tout va bien. C'est dans l'épreuve qu'on peut juger la solidité de notre foi, de notre confiance, de notre amour. Et aujourd'hui, si nous avons pris le temps de parler de Castor, de ce qu'il a vécu, c'est que le sens du service qui était le sien doit d'une façon ou d'une autre rester le nôtre aujourd'hui.
pour lui être fidèle ou pour qu'il soit vivant à travers nos vies, à nous, aujourd'hui, sur ce chemin que nous avons à poursuivre. Dans nos vies les plus ordinaires, nous aurons à faire mémoire de Castro. Je dis bien faire mémoire, je ne dis pas simplement nous aurons, nous, chacun à notre manière, en fonction de ce que nous sommes, en fonction de ce que nous vivons, là où nous sommes plantés, à manifester aussi cet amour que Dieu a pour l'humanité et particulièrement pour l'humanité souffrante. Oui, nous avons un chemin à poursuivre, un chemin à faire. Et dans l'évangile qui nous a été proposé, ce chemin, il me paraît clair. Tout ce que nous vivons les uns avec les autres, et l'attention vécue au plus petit, l'accueil vécu avec ceux qui souffrent, c'est l'attention même, c'est l'accueil de Dieu dans nos existences. Cet évangile de Matthieu nous présente Dieu comme un juge. Et on peut toujours avoir peur d'un juge. Donc, finalement, ce n'est pas Dieu qui nous juge. C'est notre vie qui nous juge. Et c'est en fonction du poids d'amour, de solidarité, de fraternité, que nous serons à même de vivre pleinement le passage, la Pâque vers celui qui est source de toute vie et de tout amour. La mort reste quelque chose de mystérieux pour nous. Nous aimerions tellement savoir. Dieu nous l'a demandé. Dieu nous invite à vivre la Pâque, le passage vers sa vie. Et je crois que Castro, d'une certaine manière, l'a vécu avec confiance. Il n'en a pas parlé comme ça, mais d'après ce que vous m'avez dit, il nous a préparé à vivre ce moment. En vous disant qu'il y a un moment pour tout dans la vie. Il y a un moment pour naître, il y a un moment pour vivre, et il y a un moment pour mourir. Nous sommes vivants aujourd'hui, et nous avons. Si nous voulons être fidèles à la fois à ce qu'a été Castro et ce qu'a été Dieu à travers la vie de Castro, nous avons les uns les autres à inventer ces chemins où nous avons à nous battre pour que la vie gagne toujours sur les forces de mort et de souffrance. Et le combat, il n'est jamais terminé. Et le combat, ce n'est pas un combat individuel, c'est un combat à vivre ensemble. De lutte et tant de chemins de vie, c'est sur ces chemins-là que Dieu nous donne rendez-vous, et c'est sur ces chemins-là que nous retrouverons au-delà de la mort Castro dans tout ce qu'il a vécu. Amen.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un moment solennel qui nous rassemble tous devant effectivement l'habitation de Castro. Il a habité cette tente, c'est-à-dire ce vêtement, ce corps. Je dirais cette tente parce que l'apôtre Paul le dit, et il dit en fait dans l'Épître aux Corinthiens, eh bien qu'il habite une tente, mais qui est l'ouvrage de Dieu, mais qu'il habitera plus tard, une demeure éternelle. Il y a donc une certitude, parce qu'il a fait de Dieu son sauveur. Je suis sûr que celui qui habitait cette tente, le locataire de la tente, celui qui a demeuré plusieurs années dans cette tente, est parti pour l'éternité auprès du Seigneur comme un certain brigand. Lorsque Jésus a dit à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. La raison, c'est que Jésus n'est pas homme pour mentir. L'Évangile, c'est la vérité. Jésus dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, sous-entendu la vie éternelle, qu'il donne à tous ceux qui croient. C'est lui qui a dit à tous, venez à moi. Personne n'est exclu. Tous sont appelés. Nous sommes tous appelés. Lorsque j'ai rencontré Castro, que je ne connaissais pratiquement pas, je l'ai vu au terme de ses jours, et il a été d'accord de demander grâce à Jésus, de demander à Jésus d'habiter son cœur et de faire la paix avec Dieu. Jésus a dit ceci, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Réconciliez-vous, maintenant.
conciliation. Ange frères et sœurs, ange des enfants de l'Éternel, reconciliez-vous maintenant, reconciliez-vous. Je prie, on peut rester tranquillement assis. Les siens qui avaient déjà rejoint la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Soyons des artisans impraticables d'une société plus juste.
paternel.
sainte d'ombre, la Carmelite. Je vais vous montrer ce qu'on a fait.
Il m'a le bossu tout le monde. Sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je suis l'œuvre de mon père qui m'a envoyé.
je réponds au nom de la mort. Agir pour que cette espérance jaillisse et naisse dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent comme je te connais. Merci mon Dieu. Amen. Bénis toute la famille, bénis l'épouse qui a besoin de toi en ce moment et les enfants. Amen. Voilà, s'il vous plaît, messieurs, dames, je voulais avec votre permission vous lire un texte profane, mais on a beaucoup parlé de Dieu. On a beaucoup parlé de douleur, de tristesse, mais je voulais vous lire ce texte un peu comme un message de Castro pour vous, pour la suite. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Et maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. Notre amour vous apportera réconfort et consolation. Nous nous serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, mais présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les mille vents qui soufflent. Je suis les scintillements des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse le champ de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. Et je serai toujours présent. Maintenant,
Voilà, à la demande de la famille, je vais vous demander juste de laisser un peu de place pour qu'ils puissent se regrouper juste devant l'allée. Et on passera les premiers et les enfants, les proches, vont nous suivre tout de suite derrière. On procédera à l'inhumation et après, chacun d'entre vous pourra venir témoigner sa douleur et puis son amour à Castro. Hein ? Les personnes de la famille, les enfants, avancez-vous. Bili wawa na yokeye Moto umela libela tena mojiliye Na pesi bango nive konanga yo Watele masina Amida.
peu merci la nuit sur ça et pas abuso surtout bien que ça abuso à Napoto c'est grâce à toi que mi bas si miné né ben a bien au plus abuso cause à bien abattoise importante abat nuit sur bah et on dit maté bah remplir cimetière nuit sur non papa hein au plus ça Alice a combouté au plus ça peut matin bamboté alors moi biso bat mi ben la famille importante papa. Hein? T'as un qui dit bien à tout le monde, c'est génial. Merci. Tu vas nous manquer, hein? Même toi, tu as dit que tu as dit papa, la canine, la cambogne, c'est pour entendre ça, la papa. On t'a dit que tu as dit que ce qu'on fait la foutre là-bas, tout, la tiki, papa. La tiki, là, j'abandonne. C'est bon. C'est fort, je sais pas. C'est papa. Je suis ton garçon. Garçon junior, ton premier garçon. Lui qui se prenait tout à la tête avec toi, je m'excuse papa, je me très très bien papa. Je t'aime papa, je t'aime. Je t'aime papa. Et surtout, je vais vous faire passer un message qu'il disait tout le temps. Il me disait tout le temps, les enfants, la famille. S'il vous plaît, prenez un jour le temps de dire à vos enfants, je vous aime. Vous verrez, vous vous sentirez bien. Faites de la joie que mon père, il vous a donné. Faites un partage. C'est ce qu'il a pu partager avec vous. Ne remerciez pas mon père. Par contre, dites juste je t'aime à vos enfants. Quand mon père est revenu de Zangoya, et j'ai été en train de faire un travaux chez Doudi. Et Nabine papa, et sa surprise. La façon qu'il m'a regardé, c'était plus beau que je t'aime. Je t'aime mon papa. Mon papa, t'es parti, tu nous as laissé. Moi, tu m'as laissé au bout de la route, au bord de la route. Mais voilà, comme je t'ai promis, je vais prendre soin de maman, de mes frères et soeurs, de tout faire pour qu'on reste unis. Avec tout ce beau monde qu'on a pu voir qui sont venus pour toi, que je remercie. Et voilà, le plus beau cadeau que tu as pu nous faire, c'est tout ce monde-là qui est venu. Maintenant, bah, je comprends pourquoi tu étais souvent absent. Et quand je vois tout le sourire, toute la beauté qu'il y a devant moi, bah voilà, je peux être que fier de toi. Et comme tout à l'heure on a dit, t'es un peu comme mon Robin des Bois, moi. Voilà. Quelque chose à ton papy, tu veux dire quelque chose à ta mère? Pour tout ce que tu as fait pour moi. T'as mon cœur, mon accident, t'as tout fait pour moi, papa. Un dommage et de recueillement dans ce cimetière, je vous demanderai qu'on le permette. Tu m'as toujours soulagé. Dans des moments durs, tu m'as accompagné, t'as toujours été là pour moi, papa. Moi aussi, j'étais là, mais t'es parti, tu m'as dit, je ne peux pas t'abandonner. Je vous remercie de regagner la sortie du cimetière dès à présent. Vous pourrez revenir dès la fin de cet après-midi pour vous recueillir si toutefois vous le désirez. Et quant à moi, permettez-moi de transposer tout en vous souhaitant de retrouver la paix de l'âme à son souvenir. Moi, je vous remercie, madame. Au revoir. Merci. Les gens, ils ont des fleurs.
Voilà, avant que la foule se disperse, quelques minutes seulement, pour faire une prière pour toute la famille. Quand je pensais à expliquer, d'aller un peu plus en profondeur, là nous n'avons pas le temps, ce verset nous le trouvons. Thank you.
Let's go!
I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.